Avec Scola, le parrain du maillot blanc, bien sûr, du meilleur jeu. Et voiture officielle, on salue Greg. Et Lucio, Luc Leblanc, mon cher Luc. Voilà, ah bah oui, le petit financier de nos amis Sodexo. Mais bien, voilà, il faut prendre quelques forces avant l'étape du jour. Luc, c'est toujours compliqué après une étape de repos. On en parlait avec Raymond Poulidor qui lui détestait cette journée de repos parce qu'il fallait relancer la machine le lendemain. On peut avoir des surprises aujourd'hui? Des surprises, non, parce que c'est pas une grosse étape de montagne. Donc, il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas de surprise de montagne. Il y a déjà la nuit, c'est la Ça va, ça va. Il y avait là. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Faites du bruit, mesdames et messieurs, pour encourager le peloton. Alors, en bas professionnel qui s'engage sur cette 11e étape. Besançon-Oléna, 187 km 500, avec ses 4 difficultés à accomplir dans les 50 derniers kilomètres de l'étape. Une tête d'avoir en perspective, je pense que vous voyez les échappés, on va s'organiser dans les premiers kilomètres, alors qu'on voit les derniers coureurs partir, avec une belle image à pleine tablée. Jean-Claude, le tout dernier coureur à s'élancer.